Dans Assassination Classroom, on peut voir ici Kuroko Tetsuya de Kuroko no Basket. Et à côté de lui, Kusao Saiki de l'anime Saiki Kusao no Psi Nan. Et ici, c'est Takeo Gouda de Ore Monogatari. Tous les trois attendent gentiment de la nourriture. C'est ce que l'on appelle des easter eggs. Œuf de Pâques en français, si vous préférez. On pourrait le définir comme la surprise cachée, la fonction cachée dans les films, séries ou animés que les fans peuvent remarquer. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir les différents easter eggs dans les animés et les mangas. On va continuer sur notre lancée avec encore Assassination Classroom, qui est composé de beaucoup de références cachées ou non de d'autres animés. Dans cette scène, Kuro-sensei porte le bandeau de Konoha, et pour le coup, ici l'auteur avait vraiment envie de nous montrer la ref à Naruto. On a également des références à One Piece. Ici, Kuro-sensei s'inspire des attaques de Luffy. Ou encore là, où l'on voit un élève faire la pose du Gear Second de Luffy. Des easter eggs, il y en a plein dans Assassination Classroom, donc je ne vais pas tous vous les citer. Mais par exemple, dans cette séquence, Karasuma est brièvement comparé au titan colossal. Dans celle-ci, Kuro-sensei a littéralement la cicatrice de Kenshin Himura de Vagabond. Maintenant, passons à mon animé préféré, à Naruto. L'un des easter eggs les plus connus, c'est sûrement la montagne sculptée des Kage à Konoha, qui rappelle le mont Rushmore, où sont sculptés les visages des quatre présidents américains les plus marquants de l'histoire entre 1770 et 1900. Dans l'épisode 20, quand Naruto ouvre sa porte, on remarque qu'il a un porte-clés, et pas n'importe lequel. Il s'agit de Pakun, l'un des chiens de Kakashi, qui aura un peu plus d'importance plus tard dans la série. On peut considérer ça comme un fusil de Chekhov. Et il y en a d'autres des teasings de personnages avant que ceux-ci fassent leur entrée. On peut citer les trois ninjas légendaires de Konoha. Dans l'épisode 83, avant l'apparition de Tsunade, on peut voir chez un marchand de bonbons, ou plutôt sur le chapeau du marchand, trois bonbons à l'effigie des Sannin. La limace pour Tsunade, la grenouille pour Jiraiya et le serpent pour Orochimaru. Maintenant, retournons un peu plus en arrière. En fait, revenons carrément au début avec le premier épisode de Naruto, qui selon moi fait partie des meilleurs premiers épisodes dans les animés. Franchement, Iruka-sensei, jamais on ne t'oubliera avec cette scène. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Kage Bunshin no Jutsu. Quel moment incroyable quand même. Cette scène, on la retrouvera à l'épisode 3 de Naruto Shippuden, lorsque Naruto et Sakura refont le test de Kakashi. Cette séquence rend en quelque sorte hommage au premier épisode de Naruto et nous rappelle que tout a commencé à Konoha et par cette même technique, le multiclonage. Maintenant, passons à un autre animé du Big Three, Bleach. On va parler de la chambre d'Ichigo. Sur sa porte, il y a le numéro 15. Ce numéro n'a pas été choisi au hasard. Il fait référence à l'âge d'Ichigo au début de l'histoire, mais il se réfère surtout à son nom. Ichi qui veut dire 1 en japonais et Go qui signifie 5. Ce qui donne 1 et 5, donc 15. Poursuivons encore avec le protagoniste. Ichigo reçoit un insigne en tant que Shinigami remplaçant. Le logo de celui-ci ressemble à la première série de Tetekubo, Zombie Powder. Il raconte l'histoire de John Elwood, un jeune de 13 ans vivant seul avec sa sœur malade et travaillant de force pour un gang en tant que pickpocket. Son histoire bascule lorsqu'un jour il vole le portefeuille d'un homme étant chasseur de poudre. Une poudre, d'après ce que l'on dit, qui permet de ramener les morts à la vie et de rendre les vivants immortels. On l'obtient en réunissant les 12 anneaux de la mort. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le studio Pyro qui a produit Bleach. Et ils ont profité de l'occasion pour faire un petit clin d'œil dans l'anime. Sur cette image, vous pouvez voir R Studio Pyro. Cet easter egg, on le voit assez facilement, mais j'avoue que pour ma part, je ne l'ai jamais remarqué. Pour terminer cette vidéo, on va conclure avec l'un des new gen les plus populaires. Je parle bien évidemment de Demon Slayer. Avez-vous remarqué que le kimono de Tomioka était en fait composé de deux kimonos? L'une des moitiés est celui de Sabito, qui a lui-même hérité du kimono de son père, assassiné par un démon, et l'autre moitié de sa veste vient du kimono porté par sa grande sœur, Tsutaku. Vous vous souvenez de ce personnage? Je parle de Enmu, le démon dans l'arc du train de l'infini, dont le palmarès se résume à son CIU. Faut le dire, il est incroyable. D'ailleurs, j'en ai fait une petite imitation, je vous laisse en juger. Yume o minagara shineru nante. Kokoro da.
Seishinda. Seishinda kaku wa hakai sureba yinda yo. Kurosu no mu kantan. Ingen no kokoro nante minna onaji. Garasu zaiku mitai ni. Morukute yuwen dakara. Nennen kururi. Kon kururi. Oni ga kuyo to kon kururi. Iki mu wasulete kon kururi. Hara no naka de mu kon kururi. Mo. Mezameru koto wa dekinai yo. Kekkijutsu. Kyose kon to. Saimen no sasayaki. Onemuri. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Ses yeux vous rappellent-ils pas quelque chose? On dirait les pupilles de Naruto en mode Senjutsu. Peut-être que la mangaka s'est inspirée de ça. Les openings dans les animés participent grandement à son image et à son histoire. Surtout quand certains détails y sont cachés. Dans Zankyo Sanka, le meilleur opening de Demon Slayer, vous avez ce moment où Tanjiro, Zenitsu et Inosuke découvrent le quartier des plaisirs. Les fans, faisant très attention, ont dû remarquer que les propriétaires de chaque maison que vont infiltrer nos trois héros sont présents. Ici, vous avez les proprios qu'infiltre Tanjiro. Pour Zenitsu, ils sont là. Et pour Inosuke, on les voit ici. C'est là où l'on remarque que les openings sont une mine d'informations et de mise en place de l'histoire et que certains sont vraiment incroyablement bien travaillés. Mais bon, moi je fais partie de cette team qui ne les regarde pas quand je ne connais pas le manga par peur de me faire spoiler. Comme vous l'aurez remarqué, des easter eggs, il y en a plein dans les animés. Donc, si vous en voulez d'autres et si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles aventures, mes chers Kage.